Concernant maintenant la recherche scientifique, nous pouvons dire que cette recherche scientifique ou encore la science ouverte donne la mobilisation de la science, celle des savoirs locaux, et appelle à l'innovation encouragée dans cette option par l'UNESCO, qui ont permis ainsi, au premier plan, de circonscrire au plan sanitaire la redoutable pandémie. La coexistence pacifique des protocoles médicaux, du vaccin, de la pharmacopée traditionnelle, dont les fleurons éprouvés dans notre pays, ont été officiellement autorisés comme complément au traitement de la COVID-19, a apporté donc une réponse que l'on souhaite pérenne.